Samedi, il est 11h, ma blonde vient de tomber en vacances, c'est sa première journée de vacances aujourd'hui, elle s'est levée, elle avait la bougeotte. Fait que là, on est en direction du Mont-Saint-Bruno, on s'en va prendre une petite marche sur le Mont-Saint-Bruno. On va aller, puis en plus il fait chaud, c'est insupportable. Mais bon, c'est ça les vacances, hein? On s'en rompt, on fait des activités. On suit notre vie, on va aller suer notre vie au Mont-Saint-Bruno. Tellement bien. À chaque fois que ma blonde me soumet des idées comme ça, je rouspète un peu. Je suis un peu comme résistant, tu sais. À chaque fois, quand j'arrive, je suis super bien. On est super bien. T'sais, il annonce genre 29 aujourd'hui, mais là, dans le bois, on est à l'ombre. La grosse chaleur n'est pas encore pognée. C'est humide, mais on est quand même bien, là, tu sais. Ça va pas là? Oui. On vient de terminer notre marche. On est revenu à la station d'accueil. C'était vraiment nice. Bien content de ma petite marche. Je me sens comme quelqu'un en santé. Je me sens comme ravigoté. Je me sens comme quelqu'un qui aime la nature. L'esprit sain dans un corps sain. On est lundi, j'ai vendu ma toile des Monitor Wall. Là, je m'en vais la porter à la personne qui a gagné l'enchère. Je m'en vais la rencontrer à mi-chemin. Ça va faire du bien au budget. J'ai, disons, un mois très serré. Bon ben, la toile est vendue, elle est remise à son nouveau propriétaire. Ça me fait tout le temps drôle de me départir d'une toile que j'ai faite, surtout celle-là. Celle-là avait un rôle particulier dans mon environnement. Puis je finis par m'attacher à mes toiles. Je les aime. Fait que là, les donner, c'est comme donner son enfant. Ce serait comme, je sais pas, donner son animal, j'ai aucune idée. Mais ça fait drôle de donner... D'avoir à remettre une toile, puis il n'y a pas à dire, là, la personne l'a payé, là, elle l'a pas volé, là. C'est à elle. Mais c'est juste que ça fait drôle de te donner quelque chose que tu as créé, que tu aimes, puis quelque chose qui faisait partie de ton environnement, comme ça. Ces temps-ci, j'essaye de peindre beaucoup plus, j'essaye de doubler ma cadence pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que j'ai pas de technique. J'ai aucune technique. Moi, quand j'ai commencé à peindre, j'avais des toiles. J'avais de la peinture que j'avais depuis le secondaire. Puis j'ai recommencé à peindre comme ça, mais j'ai aucune technique. Fait que je suis encore très maladroit. C'est pas intuitif pour moi. Deuxième raison,
c'est que j'ai pas ce qu'il faut pour l'exposition. Je trouve que j'ai pas ce qu'il faut. Il me manque de quoi. Il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas de thème. Ça ferait vraiment une exposition bizarre, un peu weird. Là, si je faisais une exposition avec ce que j'ai comme toile présentement, ça ferait une exposition où est-ce qu'on aurait l'impression qu'il y a plusieurs artistes qui se sont réunis pour faire une exposition et non pas un artiste. J'ai vraiment un gros syndrome d'imposteur. Je sais pas pourquoi ça m'a pogné cette semaine. On dirait qu'il y a des moments où est-ce que je m'assume comme artiste peintre. On dirait qu'il y a d'autres moments où est-ce que je me sens tellement imposteur. Je me sens pas un artiste. Je sens pas que ça a une assez haute valeur pour pouvoir m'exposer, pouvoir montrer ça, pouvoir dire aux gens, oh, venez voir ce que je fais. Mais bon, ça c'est à chaque fois, tu sais. J'avais de la misère à m'assumer en tant que vlogueur, en tant que YouTuber, il y a à peine 6-7 mois. J'imagine qu'il faut que je passe à travers. C'est pas une histoire de se donner le titre d'artiste en tant que tel, parce que je pense que tout le monde peut se donner ce titre-là légitimement. Dès que tu fais de l'art, je pense que tu peux te donner ce titre-là. Ça appartient à personne. Je trouve qu'il y a personne qui a l'autorité morale de déterminer qui est un artiste et qui en est pas un. Mais bon, il y a des artistes qui sont bons, puis il y en a qui sont de la marde aussi, par exemple. Là, ben, c'est peut-être plus de ça que j'ai peur. C'est peut-être plus de savoir de quel côté que je suis, dans les bons artistes ou dans ceux qui font de la marde. Hola, Internet! Dan est en train de m'installer un... C'est quoi? C'est-tu un jeu ou c'est juste un film, Dan? Je vais mettre un jeu d'horreur. Ils vont me mettre un jeu d'horreur. Je vais jouer un jeu d'horreur sur son casque. C'est le Oculus Rift, celle-là? Ouais, de Samsung VR. C'est le Samsung VR. Fait que je vais essayer pour la première fois de ma vie un casque de réalité virtuelle. Puis après ça, Isa, tu vas-tu l'essayer? Oui. On va l'essayer. Yann, il n'y a pas de porn là-dessus. Il n'y a pas de porn? Non, j'ai cherché, mais Oculus ne font pas de porn. Oh. Pas de porn. Moi, j'ai cherché. Tu tresses un peu. Je trouve que ça manque. Il y a un marché, là. Fait que là, je mets ça. Ouais, puis moi, tiens. Je vais te tenir ton affaire poilue, là. Je prends ça. OK, là, t'es dans le room, là. Ouais. Regarde en haut, en bas. C'est assez impressionnant. Chris, c'est bien cool, ça. Chris, il y a un oreiller juste là-dedans. Il y a des coussins et tout. Je pourrais comme... Play. Le watch les zombies cowboys, il faut que tu tires dessus. Puis quand tu reload, tu fais ça de même. OK? OK. Reload! Ça t'est plus. Ah, il y en a un qui meurt au ralenti. C'est comme son pied, je sais. C'est bien cool! Ah, je suis comme pogné, là. On va aller passer. Il y a quelque chose qui marche au plafond. Là, je fais juste à regarder. Ouais, mais écoute les bruits. Ah, c'est quoi? Tu sais, l'autre petit gars avec les yeux rouges. Ah! On est jeudi. Ma blonde avait encore la bougeotte ce matin. Fait qu'elle a décidé qu'on allait prendre une marche. Là, ben moi, j'avais comme pas réalisé, mais... cette montagne-là, il paraît. Alexandre, il nous regarde. Ouais. Oh oui, parti.
première fois que je vois des cerfs d'aussi près. Du moins, des cerfs qui sont pas enfermés, qui sont pas dans un zoo. C'est impressionnant, c'est beau. Des petits Bambi. J'arrête à toutes les 100 mètres. Ben, ça finit plus, là. Ça arrête plus de monter, là. Allez, mon gaz. Reste tout ça encore à monter. Si je capote. Tabarnak. Ma blonde n'est pas tuable. On est presque rendu. Hein? T'es un ninja, moi. Dis donc, je tourne appareil photo. Voyons donc. Comme c'est beau, je prends des time lapses. Il y a des oiseaux, des urubus. Mm-hmm. Des urubus. C'est comme ça ressemble à des. Ça vole comme des aigles un peu là. Ça fait drôle parce qu'ils volent plus bas que nous autres. Ils volent comme en bas là. Nous autres, on est plus haut que où ce que volent les oiseaux. C'est vraiment spécial. Ah, il y en a un juste là. Je sais pas si on le voit, il est loin, là, mais... C'est tellement beau, là. Ça fait des années que j'ai pas fait ça, monter sur le toit, sur le bout d'un mont, ben, d'une montagne. C'est tellement beau, on voit tous les rayons du soleil, pis tout. You.
vient de finir notre montée. On est arrivé à l'auto. On est revenu à l'auto. Ah! J'ai les jambes mortes. Je suis claqué bien raide. Quelle idée! C'était une bonne idée. Je suis content de l'avoir faite, mais c'est pas le genre d'expérience après laquelle je cours me faire souffrir à monter d'une crise de montagne. Une chance que je pouvais prendre des time-lapse en haut, parce que me faire souffrir comme ça à monter de montagne, il n'y a rien de le fun. Là. Puis le pire, c'est que je capote. Regardez ça. Il y a un groupe juste là. Ça, là, c'est des coureurs. Ils s'en vont le faire à la course. Ils sont malades, c'ti. Ils sont malades. Là, on s'en va souper. Puis je prends ça relax ce soir.